Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo challenge avec Yoni. Et aujourd'hui, le challenge est de faire un cartable dans Minecraft. Ben donc, c'est parti, on va le faire. Oula, attendez. Voilà. Alors, on va prendre. C'est dur parce qu'on a mis un pack ressources Mario. Vous le verrez hein, dans la description hein, ce que c'est. Vous pourrez le télécharger comme ça. On va faire un cartable rose. J'aime bien le rose. C'est mignon le rose. Et bleu. Et noir pour faire les fermetures. Je sais pas moi, sinon. On ne va pas mettre de la neige. Ça pour faire la fermeture éclair. Non, plutôt du fer. Voilà. Donc on va le dessiner où notre cartable à côté de la maison de lave. Hein. Ceux qui l'ont pas vu, bah, essayez de le retrouver. Hein. Si, hein, parce que nous, on n'est pas trop. On n'arrive pas à faire des effets spéciaux et tout, donc bah, on peut pas vous montrer la vidéo. Vous êtes obligé de la retrouver en fait. Tony, tu pourras faire une carte Pokémon dans Minecraft. Voilà, donc le cartable il va être énorme. Hein. J'espère que la vidéo prendra pas trop de temps. On va faire une pochette bleue. Bleue, toute bleue. Une belle pochette bleue. Voilà. Très très long. C'est une grande pochette dedans. Voilà. Et donc, elle est jolie, ces petites pochettes toutes petites. Donc ça pour faire le truc de la fermeture. Et ça c'est la petite fermeture qui pendouille là. Vous savez les fermetures là, des pochettes là, les petits trucs qui pendouillent. Je dis ça va. Parce que moi j'arrive pas trop à expliquer les trucs, mais c'est pas trop grave. Voilà. Il faudra pas mettre de choses à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de mettre de toute façon tout à l'intérieur parce qu'on va juste le voir de face et de derrière aussi. Ça va être très très long. Cette vidéo va être un peu longue. Tu pourras faire une carte Pokémon. Là. Prochaine challenge. Voilà. Donc là, le cartable, on va le faire beaucoup plus long. Voilà. Ah, c'est très long. Ça m'énerve d'être plus long. Non, moi je construis des trucs super super vite. Par contre je mets les blocs n'importe où quand je construis vite. C'est ça qui est énervant. Voilà. J'arrête pas de mettre des blocs partout alors que je veux pas les mettre là. Très très énervant. Ah mais ça m'énerve ça. On va faire un cartable ouvert au moins. Comme je vais refaire mon cartable en fait. Là je suis en train de refaire mon sac. Mon sac d'école. Mais en fait, je sais pas, mais en fait, je vais faire la pochette bleue parce qu'elle est bleue, mais il y a des petits dessins dessus, mais c'est pas des petits points. Normalement, c'est un attrape-rêve qui est dessiné dessus, mais je sais pas comment faire. On va le faire. On va quand même tester, hein. J'espère qu'il va pas être si moche, hein. Ça, c'est des... Non, c'est déjà très moche. Ça, c'est les feuilles colorées de mon attrape-rêve. Très moche. Mais c'est pas grave. De toute façon, tant que ça fait un sac, c'est le but que ça fasse un sac. Donc il y a les pochettes là dans mon cartable, une pochette là, ici, oh je ne vais pas tout rentrer, ah, voilà, oula, il est bizarre hein, le soleil, très bizarre même, on dessinera des cahiers, n'empêche, parce que j'aime bien faire des cahiers, donc il n'y a que deux pochettes, hein. Pas mal. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur mon sac? Ah ça me fait peur le soleil. Donc bah il y a une petite pochette rose aussi, c'est vrai. Ici là, toute petite, où je range des cartes mignons et tout. Avec une lanière rose ici. Là. Sur ta base? Là. Là. Fais une vidéo. C'est quoi? Voilà, donc maintenant j'ai fait le sac comme ça. On va le faire ouvert. Donc. Oh, mais voilà. Tu pourras faire une vidéo avec moi, Yoni. Parce que t'en as fait qu'avec Tony. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, c'est mon sac qui est quand même ouvert. Je crois qu'il n'est pas si petit comme ça. Attendez, 1, 2, 3, 1, 2,
attends, faut que je refasse un truc. Voilà. Et il y a des petites, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Des petits trucs pour les clipser, là, les sacs. Voilà. Les trucs que tu clipses. Voilà, j'ai ça des clipseurs. J'ai de les faire comme je peux. Hein. Je suis pas si nulle quand même. Parce que j'arrive à faire des bonhommes. Voilà. Et ça, c'est ce qui est de l'autre côté de mon sac. C'est le truc là où tu accroches. Le machin, le truc, comment ça s'appelle? Le clipseur, là, le machin comme ça que tu accroches là-dedans. Attendez. Il y a trop de roses. Voilà. Bon, bah, ça fait mon sac. Maintenant, on va faire les cahiers. Ça dure 6 minutes. On va faire un cahier jaune. Que des cahiers jaunes. Et des cahiers verts. Et un cahier gris. Voilà. Mon cahier jaune, c'est mon cahier de liaison. Ouais, là, on va tous faire des grands cahiers. Voilà, on va faire des petits et des grands. Dépêche-toi, Tony. Voilà, et ben ici on va faire un gros cahier gris, un cahier d'histoire, un cahier poésie, les poésies ou genre d'histoire aussi, et les poésies. Voilà. Je suis désolée si la vidéo durera un petit peu longtemps, c'est parce que c'est assez dur à faire, n'empêche, donc voilà. Casser ici. Ah, casser le bloc. Voilà. Tac, tac, tac. Bon bah ça y est, le cartable est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, hein. C'était très très long, hein. Et laissez des petits pouces bleus, hein. Bon bah un prochain challenge. Ciao tout le monde.